Très serré, mais c'est toujours très serré aux 500 mètres. Fallait s'y attendre. En fait, avant-hier, Gilmour et moi, on avait été séparés par un millième de seconde. Donc, c'est toujours extrêmement serré. Oui, effectivement, je voulais battre Gilmour, mais il y a eu une très, très, très bonne course. Il s'est ramassé sur le podium. Donc, je veux dire, il a mérité sa place au championnat du monde. Il a été un dixième meilleur que moi aujourd'hui. Puis, ben, c'est ça qui est ça. C'était à la loyale, puis je me suis fait battre. C'était pas une mauvaise course. Je reste un petit peu mieux qu'une course moyenne. Le calibre était très fort. Tu sais, un autre top 10, y a pas, j'ai pas honte. J'ai aucunement honte à avoir de cette course-là. Par contre, il y a quelques affaires que j'aurais aimé mieux faire. En fait, le bilan que je tire de la course, c'est pas uniquement relié à la course, c'est relié un peu à la saison. C'est j'ai été trop blessé cette saison. J'ai eu beaucoup de problèmes à l'aine. Je suis sixième au monde, là. C'est pas un désastre, là. Si Gilmour vient de passer, il va avoir des chances de médaille dans deux semaines. Si ça avait été moi, j'aurais définitivement eu des chances de médaille aussi. On est juste limité par le nombre de places qu'on a au championnat du monde.